Si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité, vous n'écoutez pas et la situation est si... Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Laissez-moi tranquille! Non! Vous êtes morte! Désolé. Vous êtes morte! Non! Fermez-la! Non! Vous êtes morte! C'est pas vrai! Tu nous as manipulés. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Je reçois des ordres de personne. Si vous pouvez pas me donner d'ordre, vous pouvez plus me donner d'ordre maintenant. Josh, assez. Ok. Oui. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. Josh! Non, 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 non. Vous n'êtes pas réel. On était toutes seules ici. Non, non, non. Non, toute seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Je voulais pas que vous mouriez. Je jure. Je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit avoir 80 ans. Au moins. Il tient la forme, le papy. Ils ont fait le ménage. Tué pas mal de gens. Il? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Ah oui. Mais combien? Beaucoup trop. Je pense qu'on n'est pas loin
de son antre. Comment tu le sais? J'en sais rien. Je me sens vraiment mal, tout à coup. Pareil. J'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans. Y a pas d'autre chemin. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. C'est bon, viens. T'es sûr? Tu es encore vivant? Ouais, tes dernières paroles. Oh, putain de merde! Je sens plus mes doigts! Attends, bah, je croyais que t'avais atteint le point le plus profond. J'ai pas dit ça, j'ai dit... C'était bon. Genre, y a pas... requin ou quoi que ce soit ici. Des requins? Génial. Merci. Désolée, Bess, je n'ai pas le choix. C'est la seule façon pour que je puisse survivre maintenant. Si quelqu'un lit ça un jour, je suis désolée, il le fallait, je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi? Merde. Michael, c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. Bess est morte en tombant. Et alors? Ça veut dire quoi? Donc Anna a dû l'enterrer. Putain de merde. Putain de merde. Anna est restée ici. Je peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde! Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. Ça continue. Ouais.
Ok. Ça remonte à nouveau. On va s'en sortir. Ah oh, putain, non, dis rien. Viens. Vas-y. T'es parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est restée ici pendant... des semaines, des mois. Elle a déterré Pez. Sam. Mike. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça, là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. Obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. N'existe pas!
Comment t'as atterri en bas? Mike et moi, on faisait les cons et puis c'était... Quoi? J'en sais rien, j'étais près de la fenêtre et il y avait tout ce verre et puis la neige et puis ça bougeait si vite, merde. Et puis après, j'étais en bas. Non. Tu peux bouger? Oui. Allez, Jess. Regarde ça. On dirait un éboulement. C'était moi. Quoi? Je suis tombée à travers le toit. T'es tombée de si haut? Putain. Au moins, t'es pas la seule. Quoi? Je suis tombée d'une putain de tour tout à l'heure. Tu plaisantes, là? Jess!